le comédien Joseph Gorgoni, de retour sur la scène du Casino Théâtre, 22 ans après avoir créé dans ce spectacle satirique le personnage de Marie-Thérèse Porchet. Un duo très inspiré par l'actualité. Pierre Arban, Claudio Zamperini. Il y a plein d'avantages à signer avec la France. C'est une armée de soldats redoutables. Hey, nous aussi! C'est le pays du fromage. Nous aussi. C'est le pays du bon vin. Nous aussi. C'est le pays des lumières. Ah, ça non. 200 ans d'appartenance à la Confédération. Du pain béni pour la revue de Genève qui célèbre ce jubilé à sa manière. Ça nous va tant qu'il n'y a pas les Gaulois. La revue, ça a toujours été du musical, c'est-à-dire des gens qui jouent des textes. C'est un peu du théâtre, puis il y a des chansons, puis il y a des danseuses, des danseurs, donc voilà. C'est la forme, c'est ça, mais le fond, c'est toujours la même chose. Il faut un bon texte avec des gags et des bons comédiens. Cette cuvée voit le retour de Marie-Thérèse Porchet sur la scène du Casino Théâtre. Un comeback en forme de clin d'œil. Marie-Thérèse est née dans la revue il y a 22 ans. Renseignement Marie-Thérèse Porchet, née Berthollet, vous désirez? Oui. Les Vaudois sont des monos. Maniaque, la seule chose qui leur fout, la niaque, c'est nous faire payer. La taxe. Je ressens beaucoup de plaisir et un peu d'angoisse quand même parce que, voilà, j'ai pris 20 ans. La revue, c'est un exercice très particulier parce qu'on a un personnage qui est, pour la plupart, en tout cas de ceux que je joue cette année, de ceux que je faisais à l'époque, qui sont très marqués comme ça. Donc moi, j'ai tout appris là. C'est jouissif, quoi. Franchement, genre, de jouer cette Blatter, de jouer à la Bercy, il n'y a que les revues qui permettent ça. Faites confiance à la FIFA. Faites confiance à la FIFA. Faites confiance à la FIFA. Platini. Oui, c'est ça, Platini, saloperie, Platini. Traître. Quand je pense que ce forcu était le roi des coups francs. FBI. Ah, servi par une actualité suisse riche en événements, ce musical déploie tout son mordant, avec en toile de fond la volonté de ne pas s'adresser qu'aux jeunes voix, car il y a des valeurs sûres que toute la Suisse romande apprécie. Vous connaissez la différence entre les spectateurs d'Henri Dess et ceux d'Alain Morisot? Nee. La taille des couches. Allez, tout le monde debout, enfin ceux qui peuvent. La Suisse à moi.